Bon matin, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette et j'avais envie de vous partager mes favoris du moment. Comme d'habitude, ça va être super simple, économique dans l'ensemble, bien sûr, nutritif et délicieux. Alors si c'est du contenu qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis nous on commence ça maintenant. J'ai commencé la journée avec un bol de yogourt au chocolat. C'est rendu mon déjeuner préféré que je mange presque tous les jours depuis quelques semaines. Donc, dans un bol, j'ai mélangé environ 145 g de yogourt grec nature, une cuillère à table et demie de cacao non sucré, une demi-cuillère à thé de vanille et une cuillère à thé comble de sirop d'érable. Vous pouvez l'ajuster à votre goût, évidemment. Et là, on a une espèce de pudding au chocolat version santé qu'on peut garnir de ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, j'ai été avec pommes, bananes, cerises et bleuets surgelés, flocons de céréales héritage de Nature's Path. Dans les céréales du commerce, c'est vraiment dans mes favorites. Elles sont croquantes, peu sucrées, riches en fibres. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à ce que je révise les meilleurs choix de céréales du commerce, faites-moi signe en barre de commentaires. C'est quelque chose que je pourrais faire dans le futur sans problème. J'ai ensuite ajouté quelques raisins secs, puis je me suis gâtée avec mon beurre de noix préféré, le beurre d'amande et de noisette. C'est un pur délice. Je l'achète plus rarement parce que c'est un produit quand même dispendieux, mais ça vaut vraiment le coup. Pour une version plus économique, vous pouvez aller avec du beurre d'arachide ou du beurre de graines de tournesol. Et finalement, hors caméra, fidèle à moi-même, j'ai aussi saupoudré mon bol de cannelle. Et voilà, super simple à faire, rassasiant et ça comble parfaitement une envie de chocolat. Pour dîner, je me suis servi un bol de soupe aux légumes et aux gourganes que j'avais préparé dans les semaines antérieures. L'hiver, j'essaie toujours d'avoir de la soupe maison en réserve au congélateur. C'est une belle façon de manger des légumes. C'est hyper réconfortant, économique et vraiment délicieux. Et j'ai adoré l'addition des gourganes dans cette version-ci. Les gourganes ont une texture particulière, je dirais pratiquement crémeuse. Je vais définitivement en ajouter plus souvent dans le futur. J'ai complété ma soupe avec quelques morceaux de fromage et de craquelin au seigle Rivita, un autre produit du commerce que j'aime beaucoup pour son goût et sa valeur nutritive. Et comme dessert, j'ai mangé une galette au son et bleuet que j'avais préparée dans ma dernière meal prep de dessert. Je vais laisser la vidéo en barre d'informations. C'est une recette de Madame Labriski, entièrement sucrée à la purée de date. J'ai ajouté quelques brisures de chocolat sur le dessus et du beurre d'amande pour un petit extra et j'ai accompagné ma galette de tranches de pommes et de kiwi. Pour souper, j'ai cuisiné un de mes repas préférés quand je veux pas me casser la tête et c'est mon tofu sur plaque que je parle souvent dans mes retours de course. Et récemment, je suis sur un kick de romarin et ail comme assaisonnement. Donc, j'ai commencé par préparer mes légumes qui vont aller au four. Ici, j'étais avec de la courge Buttercup. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est ma courge préférée. Dès qu'elle est à bon prix, c'est certain qu'elle se retrouve dans mon panier d'épicerie. Et comme vous pouvez voir, en cours de route, j'ai ajouté un linge sous ma planche à découper parce que ça brassait un peu trop à mon goût et on veut pas se couper ici. Pour accompagner ma courge, j'ai aussi coupé des morceaux de betterave, définitivement un de mes coups de cœur au rayon des légumes économiques. J'ai déposé mes légumes sur une plaque de cuisson couverte d'un tapis de cuisson. J'ai arrosé d'un peu d'huile d'olive salée et poivrée, puis je me suis attaquée au tofu. Pour la cuisson au four, mon tofu préféré, c'est le tofu ferme de la marque Soyari. Comme alternative, j'aime aussi employer le tofu ferme de Naturalia. J'ai commencé par bien éponger mon tofu pour enlever l'excédent d'eau. Vous pouvez aussi le presser si vous désirez et j'ai coupé en cubes égaux. Ensuite, c'est le temps des assaisonnements. Pour cette version-ci, vous avez besoin de 2 cuillères à table de levure alimentaire, 2 cuillères à thé de romarin séché, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, sel et poivre et soyez généreux ici, on veut que ça goûte. J'ai bien mélangé et je vais souvent venir presser mes cubes de tofu dans le fond du bol pour m'assurer de vraiment récupérer tous les assaisonnements. Mes légumes et mon tofu ont cuit au four environ 45 minutes à 400 degrés Fahrenheit en tournant chaque 15 minutes. Le temps de cuisson va vraiment varier selon vos préférences. Je préfère mon tofu plus croustillant à l'extérieur, mais si vous l'aimez plus tendre, commencez à le surveiller vers 35 minutes. J'ai
compléter mon assiette avec du kale que j'ai simplement fait revenir avec de l'ail dans un peu d'huile d'olive et comme grain, j'ai été avec de l'orge. C'était super bon, vraiment un repas très satisfaisant pour moi et j'aime accompagner mon tofu de moutarde de Dijon. La moutarde s'agence vraiment bien avec l'assaisonnement du tofu et habituellement j'y vais avec une moutarde de Dijon bien traditionnelle, mais dans le temps des fêtes, j'ai reçu en cadeau une moutarde aux champignons sauvages de Gourmet Sauvage. C'est une entreprise des Laurentides et c'est tellement bon, je suis accro, j'en mange avec tout, c'est pas compliqué. Définitivement un produit plus cher, mais si vous voulez vous offrir un cadeau, je le recommande fortement. Je pense que vous pouvez en commander en ligne. Et finalement, j'ai terminé la soirée avec mon traditionnel morceau de chocolat noir, des tranches de pommes, une demi-date et un peu de beurre d'arachide. C'est ce qui complète mes repas de la journée. Un gros merci de votre écoute. J'espère vous avoir donné un peu d'inspiration et on se retrouve très bientôt. Bye bye!